بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un logiciel de dessin acheté par ordinateur, DAO, qui fait FreeCAD, la version 0.18. Cette version, c'est une version améliorée par rapport aux versions passées. Dans cette vidéo, on va passer en revue un certain nombre de fonctionnalités des logiciels de dessin assistés par l'ordinateur en général et des éléments un peu spécifiques à FreeCAD qui sont l'agilité, la facilité d'accès et encore la facilité d'exécution des projets de dessin assistés par l'ordinateur ainsi que leur exposition vers d'autres débouchés et d'autres applications. Comme c'est le cas des logiciels sur ordinateur, FreeCAD il comporte les éléments de base bien connus qui sont le menu principal, accessible par des options principales et des options secondaires, une barre d'outils. Donc c'est un ensemble de boutons qui facilite l'accès à des fonctions internes du logiciel, une barre d'outils qui propose un ensemble de boutons qui offre l'accès à des fonctions internes exécutables sur des dessins. Et nous avons encore un panneau latéral, gauche ou bien à droite, il peut être mis à gauche ou bien à droite. Ce panneau présente les propriétés de base du projet, ou bien de l'élément du projet en cours d'édition. Il comporte encore une fenêtre centrale, c'est le canevas de travail, c'est notre bureau sur lequel on va exécuter notre tâche ou bien on vient développer notre projet. Et cette fenêtre est rattachée à un certain nombre d'étiquettes. Ces étiquettes, il montre le nom de la page sur laquelle on est en train de travailler. Donc si je crée un nouveau document, je vais voir apparaître une étiquette correspondante à la page correspondante au projet qui a été initié auparavant. Cette première page, eh bien, c'est la page de démarrage. C'est une page qui présente d'une manière un peu exhaustive les fonctions que FreeCAD peut offrir. Donc, parmi ces fonctions, la création de nouveaux projets ou bien l'ouverture de projets édités. Il présente encore dans la partie exemple, il présente des documents de démonstration qui démontrent les fonctionnalités de base ou bien les fonctions avancées de FreeCAD en utilisant des spécificités par rapport au type de travail qu'on cherche. Cette même fenêtre de démarrage présente l'aide nécessaire à l'accès à des fonctions de FreeCAD et une spécificité qui sont les ateliers. Les ateliers, c'est des add-ons, c'est des ajouts, des extensions de FreeCAD qui peuvent étendre les capacités de manipulation des objets 3D. On a encore l'accès au forum, on a accès à toute la partie la documentation de FreeCAD.
pleine fenêtre montre encore les nouvelles fonctions qui peuvent être plus ou moins ajoutées à ce logiciel. Donc l'accès à la partie développement. Donc, ça concerne plus les développeurs. Donc on a accès à GitHub pour pouvoir un peu s'intéresser à la partie autorisation et développement du logiciel Christiane. Donc si on voit à l'onglet documents pour accéder à utiliser Christiane, on a beaucoup de manières. Donc soit qu'il faudrait ouvrir un document qui est déjà édité avant, sinon créer un nouveau projet. Pour quelqu'un qui a pour la première fois qui débute à utiliser Christiane, on commence généralement par créer un nouveau projet. Donc je peux le faire à partir de cette page, cet onglet, sinon à partir de la barre d'outils, ce bouton, sinon encore à partir du menu principal de l'option principale File et l'option secondaire New. Et on accède à notre nouveau document. Donc ça y est, j'ai cliqué et je remarque que j'ai ici un nouveau document. Par défaut, il va prendre un nom. Donc c'est un document qui n'a pas de titre, un name. Et on peut sauvegarder. Ok, il faut sauvegarder. On a un bouton pour sauvegarder. Je peux accéder à la fonction sauvegarde à partir du menu principal. Donc c'est l'option secondaire Save. Il faut choisir un répertoire et puis il faut donner un nom à votre projet. Et ça y est, donc j'ai donné le nom EC1 et je remarque que l'étiquette EC1 apparaît, a été modifiée de la désignation Unnamed, donc son titre, document son titre, à EC1 et le nom de mon projet, nouveau projet. En plus de la page Partage. Je remarque que je peux fermer cette page. Donc en cliquant sur ce bouton avec le X, je vais fermer le document relatif. Donc en ce cas-là, c'est la page Start Page. Donc en cliquant sur X, je la ferme. En cliquant sur X encore, ici, je vais fermer la fenêtre de mon projet. Et je remarque que d'ores et déjà, j'ai des informations qui apparaissent sur le panneau latéral de gauche. Sur le logiciel encore, sur la fenêtre de ce logiciel, on voit c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Et cette barre d'outils, elle présente des fonctions très intéressantes. Parmi ces fonctions, eh bien, c'est la manière avec laquelle j'ai à manipuler mon dessin. Donc, dans ce cas-là, j'ai marqué ici, donc c'est une liste déroulante. Je clique dessus, je vais voir une liste déroulante qui me fait apparaître les logiciels bien connus. Donc, ça correspond à la manière avec laquelle ces logiciels manipulent le dessin dans le Canva de dessin. C'est le Canva. Bien, c'est la table de dessin. C'est quoi je vais manipuler? Je vais créer mes dessins en partant des objets de base jusqu'à la forme globale, la forme définitive. Donc, j'ai beaucoup de manières. La manière OpenAdventure, CAD, Revit, Blender, Maya, Touchpad. Touchpad et gesture, c'est pour le cas de machines avec écran digital ou bien des tablettes spécialement faites pour le dessin ou bien des tablettes qui sont équipées de moyens pour
Frisiade, il est un peu compatible aussi avec ce type de matériel. La manière la plus usuelle pour utiliser et manipuler un dessin, c'est de la forme de base, des éléments de base primaires jusqu'à la forme définitive. Bien connu, c'est la manière Blender. Pour mon cas, j'utilise beaucoup Blender, donc pourquoi ne pas utiliser Blender comme manière de manipulation des dessins 3D. Donc une fois le dessin débuté, ou initié, on a à modifier des paramètres. Comment peut-on commencer un dessin? Donc, on commence un dessin, premièrement, en accédant à des ateliers qui vont nous aider à commencer d'une manière très aisée notre dessin. Donc, cette liste déroulante ici, elle nous affiche tous les workbench, les ateliers, c'est l'équivalent des toolbox de MATLAB, et ces ateliers nous facilitent un peu la manière avec laquelle on va monter notre dessin élément par élément, des primitives de base jusqu'à la forme finale. On a ici des ateliers qui sont un peu divers. Donc, des ateliers de type H, donc c'est un atelier un peu spécifique aux utilisateurs architectes, BIM encore. On a Draft, donc c'est un atelier un peu général. Drawing, c'est encore sur le dessin technique avec Draft. On a FEM. FEM, c'est un toolbox, c'est une librairie qui va nous permettre d'exécuter des calculs en se basant sur la méthode des Zimovski sur des dessins un peu particuliers, des poutres, des formes un peu irrégulières. On a le workbench image. Donc ce workbench, cet atelier, il va nous permettre d'utiliser des images de référence, tu crois. On se base pour compléter le dessin 3D. On a le workbench Mesh Design. Ce workbench nous permet de manipuler et de modifier, d'améliorer le maillage du dessin. OpenCascade, donc, c'est un logiciel bien connu, à part. Et c'est une librairie encore. Donc, on peut obtenir OpenCascade comme étant une librairie à part qu'on peut intégrer dans une plateforme à développer. Elle contient tous les procédures et les ajouts nécessaires pour développer des dessins CAD. Part Design et Part, c'est les ateliers les plus utilisés. Elle concerne tous les moyens nécessaires pour exécuter d'une manière facilitée un dessin. On a encore Plot. Eh bien, Plot, ça permet de créer sur la base de données ou bien de calculs faits à part. Et on va obtenir des points et on peut tracer ces points donc sur la forme d'un graphique. On a l'atelier Points, c'est l'atelier Points. Cet atelier permet de modifier ou bien de translater notre dessin à l'aide des éléments de base, de primitives de base, points, lignes, facettes, maillages, ainsi de suite, sous forme de point cloud. Donc c'est un nuage de points. Ray Tracing, c'est un atelier qui permet d'améliorer un peu
rendu final des dessins en se basant sur la réfraction et la réflexion de rayons. Un style de rayon est bien connu encore, qui peut être utilisé en open source ou bien en Sketcher. Donc Sketcher, donc c'est l'atelier esquisse qui permet d'exécuter le dessin selon les normes de dessin technique. Spreadsheet, c'est une bibliothèque très utilisable si on veut rendre paramétrique les dimensions de notre dessin. Et c'est pour ça qu'on crée une feuille de calcul dans laquelle on va saisir toutes ces dimensions. On va affecter des alias à chaque dimension et que ces alias sont utilisés de manière un peu paramétrique. Donc, je peux modifier la dimension, mais l'alias, il restera le même. Et de cette manière, mon dessin peut être rendu un peu paramétrique. Donc, il change, non pas par sa dimension qui est donnée directement, mais par son alias, qui est relatif à une dimension bien précise. Et je peux toujours installer des toolbooks additifs. Et pour faire ceci, j'accède à Tools, Advanced Manager. Je vais choisir l'atelier que je veux installer. Et il faut faire remarquer qu'un atelier déjà installé est précédé par un petit cercle vert coché. Donc c'est un avance qui est déjà installé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour cette avance? On peut faire que des mises à jour. S'il y a une mise à jour, on fait une mise à jour. Sinon, donc, on fait le choix d'un mode qui n'est pas déjà installé et on clique sur le bouton Install et ceci va être installé par Fisial. Pour chacun et chaque atelier, il faut remarquer que si je vais choisir par design comme étant un atelier par défaut, il y a une modification au niveau du menu. Cette modification, elle apparaît sous la forme d'une option principale qui s'ajoutera aux options générales. Comme le cas par design, j'ai ici par design comme option principale dans le menu qui a été ajouté. Je remarque encore que la barre d'outils s'est améliorée, elle a été modifiée en conséquence. Donc, j'ai ici par design, j'ai les outils de manipulation de par design. Donc cette barre d'outils, cette partie-là, et encore cette partie-là, elle concerne par design. Si je change d'atelier, elle va encore changer. Donc, je vais utiliser Part et je remarque que la barre d'outils, elle a encore été modifiée. Je vois encore que des options principales qui sont apparues dans le menu principal. Et généralement, il précède toujours Windows, l'option principale Windows. Pour commencer un dessin, il y a toujours une règle. Donc il faut créer un corps. Je peux accéder ici. Pour créer un corps, je peux accéder encore à partir de là pour créer un corps. Je peux encore accéder en accédant à l'option principal par design dans le menu principal create body et puis le corps va être généré automatiquement. Qu'est-ce que c'est un corps? Un corps c'est un objet virtuel qui n'a pas de forme mais qui va en avoir par la suite. On
en acceptant des primitives et le raccordement de ces primitives sous forme d'objets avec foi. Donc si je crée un corps, ça y est, le corps, il a été créé, on peut vérifier. Et si j'ai deux onglets, l'onglet task, l'onglet model, dans l'onglet model, je vais voir que un corps a été créé et ce corps, il dépend d'un référentiel. Et je sais très bien que le dessin, il est trop lié à une référence. Donc, le point de départ et dans quel sens on évolue. Donc, FreeCAD me propose, une fois que j'ai créé déjà un corps, il me propose en premier lieu de créer un sketch. Un sketch, donc, c'est une esquisse dans laquelle je peux commencer mon dessin. Et je remarque que dans l'onglet modèle, je n'ai que body comme étant c'est le corps, donc c'est l'enveloppe principale de mon corps. Et j'ai encore origine. Origine, qu'est-ce que je vois? Je vois des axes, je vois des plans. Donc c'est mon référentiel qui est affecté à mon corps. Donc sur l'onglet task, je peux créer une esquisse. Donc ma fenêtre, elle ne contient aucun élément. Je crée un sketch et sur la création du sketch, FreeCAD me demande ce sketch va être lié à quel plan. Et on sait très bien que une esquisse doit être relative à un plan, soit sur le plan, soit parallèle à ce plan. Donc je vais dire x, y comme exemple, et je remarque que le plan x, y est devenu vert. Il a été un peu highlighted, donc mis en surveillance en vert. Et je confirme par OK. OK, ça y est. Je peux utiliser le bouton de milieu de la souris pour avancer, pour augmenter le zoom, ou pour réduire ou bien augmenter le zoom. Et je remarque que j'ai ici trois bois de dialogue dans la fenêtre latérale des propriétés. On remarque aussi que la barre d'outils a complètement changé. Et cette barre d'outils, elle concerne l'un des ateliers, qui est l'atelier SketchUp. Donc l'atelier SketchUp, c'est un atelier un peu spécifique au développement du dessin. C'est l'axe Y. Déjà, il faut remarquer que la couleur verte est une couleur qui est utilisée par la plupart des logiciels de dessin. Donc, la couleur rouge pour l'axe X, la couleur verte pour l'axe Y. Et la couleur Z, c'est pour l'axe Z. Et je remarque ici, la couleur bleue, c'est pour le Z, Y pour Y, Y pour le vert, et le rouge pour X. Je vais encore accéder à cette là. Je remarque que c'est une vue de haut. Donc, par rapport aux conventions prises par les éléments de dessin technique, cette vue correspond à la vue de haut. Donc, je suis en train de travailler sur ma planche. Et j'ai ici des éléments que je vais ajouter. Je vais ajouter un dessin, un rectangle. J'ajoute un rectangle. Premier clic et deuxième clic. Un troisième clic sur le bouton droit permet de désactiver de mon dessin
première voie de dialogue, il apparaît que j'ai quatre degrés de liberté. Je clique sur Auto Update, une mise à jour. Je peux cliquer encore sur Auto Remove Odomat. Donc, je lui permets d'enlever automatiquement les contraintes redondantes. Donc, je sais très bien qu'un dessin technique, il est lié à un référentiel, il a des primitives, il y a des degrés de liberté. Donc, il faut raccorder mon dessin par rapport à une référence. Il ne faut pas que le dessin soit libre. Les points sont libres, là. Donc dans ce cas-là, mon dessin est libre. Il ne faut pas que j'ai ce cas-là. Il faut le lier. Ici, j'ai une boîte de dialogue qui me montre la redondance, qui me fait encore l'auto-mise à jour, et qui me donne le nombre de degrés de liberté. Et une deuxième fenêtre qui me donne toutes les contraintes que j'ai. Les contraintes, elles correspondent à un emplacement un peu quelconque d'un point comme primitive et de quatre segments de droite. Donc c'est quatre segments de droite qui sont un peu contraints par des points. Et je vois les éléments de dessin qui sont quatre segments de droite, délimités par deux points chacun. Et je remarque que je peux voir les délimiter pour savoir quelles sont chaque ligne et correspond à quel élément. Pour délimiter les contraintes et avoir un dessin bien carré, il faut éliminer le nombre de degrés de liberté. Il faut réduire ce nombre de liberté à zéro. Pour cela, je vais commencer par donner des cotations. C'est la première cotation. Ça correspond à 103,2 mm. Et par défaut, les unités sont fixées en millimètres. Je donne une cotation horizontale. Je peux modifier ma cote. Ça y est, donc je l'ai délimité et je remarque que le nombre de degrés de liberté est descendu à 3. Donc il faut délimiter les points, premier point, le deuxième point et cette ligne centrale. Je vais fixer ceci par symétrie. Par symétrie, je remarque encore que le nombre de liberté est descendu à 1. Je vais encore choisir ces deux points. Cet axe, l'axe X, je vais obliger une symétrie. Et je remarque que le nombre de liberté est 0. Donc, cette forme a été bien carrée. Donc, on sait par où commencer, par où finir. Donc, un ensemble de contraintes, et ça me donne encore des éléments de base. Une fois terminé, et le dessin est devenu complètement vert, un vert clair, un vert brillant, je ferme, et je remarque que si je vais vers l'onglet Model, je vois que j'ai ici un body, j'ai une origine, j'ai un sketch.
déroulant la roulette de la souris, on peut réduire le zoom ou bien on peut augmenter pour voir en dessin. On peut encore utiliser ce bouton fixe pour occuper le maximum de la fenêtre de dessin. Et puis, donc, sur la base de ce sketch, je peux commencer. C'est juste un sketch quelconque, un rectangle. Et ceci pourra être pris comme base à une extrusion. Donc, en cliquant sur ce point, je vais obliger une extrusion. Il me demande qu'à côté de l'onglet Model, je vois apparaître un autre onglet, Basque. Donc c'est Pache. Et sur cet onglet, il faut donner une dimension à mon extrusion. Extrusion, c'est une mise en épaisseur de la forme que j'avais. Il a pris la forme que j'avais comme rectangulaire avec des dimensions quelconques. Nous avons fixé dans notre esquisse et il me demande de choisir la hauteur. Cette épaisseur est égale à quoi? Par défaut, il prend 10 mm. Je peux modifier, je peux réduire. Je peux dire que cette dimension, elle est symétrique par rapport au plan. Et je peux dire que cette dimension est l'inverse. Donc, elle n'est pas au-dessus de l'axe, mais au-dessus de l'axe. Et symétrique, ceci veut dire que elle est symétrique par rapport au plan. Au plan que nous avons pris comme référence sur le plan XOY. Je vois encore dans mon modèle un body, je vois une origine, un référentiel, mon référentiel que nous avons utilisé comme base, et je vois mon sketch qui a été maintenant imbriqué dans un autre objet, un nouveau objet qui maintenant s'appelle pad. Donc pad, c'est cette fonction exigeante que nous avons exécutée. Donc, le pad, il est basé sur un sketch. Donc, le sketch comme forme. Comme forme, il a pris le sketch comme forme pour exécuter une surélévation au niveau de l'épaisseur du rectangle. Il a rempli le rectangle comme étant un objet solide et puis une surélévation par rapport à l'origine 0 pour avoir une épaisseur. Et cette épaisseur, je peux toujours accélérer. Et c'est ça qui fait que FreeCAD, c'est un logiciel paramétrique. Je peux toujours revenir. Donc c'est une géométrie non descriptive. Je peux accéder à mon sketch, revenir à mon sketch pour revoir et modifier mes valeurs. Donc, je modifie mes valeurs. J'ai modifié et automatiquement mon pad doit être modifié en conséquence. Je peux encore c'est cette manière qui fait que FreeCAD est paramétrique. L'une des manipulations encore vraiment spectaculaire sur FreeCAD. Et je peux me baser sur une forme 3D, je dis bien 3D, de départ pour continuer le développement de mon dessin. Donc je clique sur cette face et sur cette face, je vais appliquer un plan. Je vais créer un plan sur cette face. Et ce plan, c'est un plan qui va être pris comme étant un plan de référence pour exécuter et développer
voit que au niveau des tâches, j'ai choisi sur le pad la face 6, qui a été prise comme référence affectée à ce document. Je confirme ma tâche. Donc ça y est. Et ce que je vois encore comme élément de mon projet, donc un corps, un référentiel, une extrusion qui est basée sur un sketch, et puis un plan de référence. Donc sur ce plan de référence, je peux commencer à une esquisse. Donc je crée, je commence une esquisse. Et le plan étant sélectionné, je clique sur esquisse et je vois que je suis venu à la barre d'outils esquisse avec ces trois fenêtres particulières. Je vais créer une autre forme maintenant, un cercle. Je vais commencer mon cercle là où je veux. Un deuxième clic et un bouton droit pour désactiver. Maintenant, je vais raccorder le centre du cercle au centre du plan X ou Y. Et ceci veut dire que c'est une contrainte de coïncidence. Donc, c'est une contrainte de coïncidence. Et automatiquement, le cercle va se déplacer. Je vois aussi qu'il me reste un degré de liberté, il faut le résoudre. Ce cercle doit avoir un diamètre. Voilà un diamètre. Diamètre est égal à 14, j'ai 32, 15 mm. Et je vois que mon cercle, l'esquisse que j'ai ajoutée, l'esquisse, il est maintenant coloré avec un vert. Brillant. Ceci veut dire que nous avons résolu toutes les contraintes. Et toutes les contraintes ont été éliminées. Donc la tâche étant finie, ça contient pas de redondance et pas d'ambiguïté, pas de complexité. J'ai deux contraintes, un point, une coïncidence. Deux points confondus et un diamètre qui a été réglé et limité par une dimension qui est égale à 15 mm. Donc il n'est pas libre, mais il est désigné par une dimension. Et nous avons un seul objet qui est un cercle. Donc la tâche étant finie, je ferme. Donc une fois revenu dans mon modèle, je vois que il contient un objet solide sous forme d'un parallélogramme sur lequel l'une de ses faces à laquelle on a collé un plan de référence, c'est pas un plan réel, mais c'est un plan tout simplement de référence. Et sur ce plan de référence, nous avons développé une esquisse avec un dessin de cercle. Je marque que je peux sélectionner le plan. En tapant sur la barre espace, ça permet d'afficher ou bien d'afficher ou de ne pas afficher le plan. Donc je vais le faire disparaître. Je vais choisir ma forme circulaire. Je vais faire un trou dans l'objet. Et ça y est, j'ai exécuté le trou. Le trou, je vois que sur la fenêtre, sur l'onglet tâche, le trou il a une dimension de 5 mm. Je peux voir que ce trou, je peux lui donner une dimension de 5 mm des deux côtés.
sinon réverti, ça n'a pas de sens. Mais je peux utiliser, donc je peux utiliser deux dimensions. Je peux utiliser à partir, donc il va utiliser tout le, toute la, la dimension de l'épaisseur sur laquelle est basé ce, sur ce cercle qui a été pris comme référence pour exécuter un tronc. Donc c'est une, l'exécution, c'est une protrusion qui fait que on se base sur un, une forme primitive et on exécute une, un travail sur une forme solide. C'est, on va enlever de la matière. Donc une fois terminé, je ferme avec OK. Je vais faire des, quelques des exemples de tâches encore. Je vais choisir la sélection d'une arête. Je vais sélectionner une deuxième arête, je vais sélectionner une première arête. La deuxième arête peut être sélectionnée en maintenant la touche Shift et la sélection. La première arête est sélectionnée d'une manière normale. La deuxième arête, elle est sélectionnée en maintenant la touche CTRL et le clic sur l'arête suivante. Les autres arêtes peuvent être sélectionnées de la même manière. Une fois mis en surveillance, je clique. En surveillance, je clique. Et de cette manière, je peux exécuter des chanfreins. Chanfreins de 1 mm. Donc j'ai ici 4 arêtes. L'arête 1, l'arête 2, l'arête 5 et l'arête. Que mon dessin il est fait en base de, d'un objet, d'un corps, c'est le conteneur, et ce conteneur il est affecté à un référentiel. Donc on a exécuté notre forme, la forme finale elle est exécutée d'une manière séquentielle par une esquisse, et cette esquisse sur laquelle on a exécuté une extrusion, donc c'est une sublimation dans le sens de l'épaisseur, et une poche qui a été exécutée en utilisant une deuxième esquisse, sketch 001, et finalement un filet des chanfreins exécutés sur 4 arêtes. Donc la forme finale, c'est la forme finale. Donc à partir de Add, du Sketch, Add, Datum, Pocket, c'est une poche, et cette poche qui est basée sur Sketch 1. Donc la lecture, si on parle de, la, de l'objet final vers l'objet, l'objet premier, on peut voir qu'est-ce que nous avons, quels sont les actes que nous avons appliqués pour en arriver à cette forme finale. C'est la forme finale. Je peux lui donner une apparence un peu. Sur View, Appearance,
l'aluminium ou bien du bronze. C'est du bronze. Malgré